Moi, je suis un vrai maniaque de pêche au doré. Et puis, la dandinette, c'est pas mal la technique que j'utilise le plus. Puis souvent, quand c'est des endroits qui sont très rocailleux, nos jigs, nos dandinettes vont frapper le fond souvent. Ils vont se prendre entre les roches. L'hameçon va s'accrocher dans les roches, va devenir très émoussé rapidement. Et ça, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs qui en tiennent compte. Mais après un certain temps, l'hameçon a piqué. Puis ça, ben, ça nous fait rater plusieurs poissons. Fait qu'un bon petit truc simple, c'est qu'on s'achète un petit exoire comme ça exprès. J'ai fait comme une petite queue de rat avec une rainure au milieu. Puis c'est fait exprès pour aiguiser les hameçons. Ça se trouve dans le commerce, il n'y a pas de problème. Et puis ça, de temps en temps, moi j'ai ça, puis je lui donne un petit coup comme ça. Un coup par en dessous. Tu sais, on y va de chaque côté. Avec la rainure, ça va super bien. On peut finir par... On fait les quatre faces comme ça. On fait ça régulièrement, là. Ça continue, ça pique parfaitement. Et puis, on a toujours un hameçon, comme si on avait un hameçon neuf. S'il y a un gros doré qui approche, eh bien, on ne le manquera pas. Bonne pêche!